7h du mat. Et je pense que ça explique à peu près tout. Voilà. Donc, à toutes. Yo, je fais partie de ce genre de personnes qui, plus je me lève en avance, plus je vais arriver en retard au taf, je sais pas pourquoi. Enfin bref, du coup là on va au taf, je suis à la bourre hein, comme d'hab. On se retrouve après ces séances épaules à la salle. Donc on se retrouve après le taf, je vous amène avec moi. Oui. On vient de sortir du taf du coup. Ouais, je vous toucherai un mot là-dessus en rentrant à l'appart après la séance. Pour l'instant je vais m'entraîner, j'en peux. Du coup, aujourd'hui c'est épaules. Donc c'est le dernier entraînement, demain ça va être cardio, enfin HIIT. Et voilà, donc je vous retrouve tout de suite à la salle. De finir la séance du coup, c'était une très bonne séance. J'ai rencontré un espèce de bodybuilder maori, je sais pas quoi, qui parlait français, c'était génial. Du coup c'est lui qui a fait tous les petits plans. Il fait très beau à Barcelone en ce moment, il fait très chaud aussi. Et alors juste pour que vous voyez, en fait à chaque fois que je sors de la salle je passe sur une place où il y a plein de skaters, et il y en a, mais ils sont géniaux. Quel personnage truculent. Je publie la vidéo en fait. Hein. Voilà, j'avais deux messages à vous transmettre. Alors le premier, comme vous l'avez vu ce matin, je suis parti au travail. C'est pas un travail qui m'enjoie énormément. C'est même pas un travail qui me plaît en quoi que ce soit. Mais il y a des fois où il faut faire ce qu'on doit faire pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Ce travail, les personnes que j'ai rencontrées à l'intérieur, c'est génial. Bah, par exemple, il y a Maxence hein, de Instant Photo Barcelona, à qui je fais un gros clin d'œil. Il y a Joy aussi, du coup, les deux gérants d'Instant Photo Barcelona qui s'occupent de tous les shootings de Open Dream. Il y a des personnes formidables, hein. Mes patrons, ma patronne est géniale. Enfin bref, c'est une ambiance formidable. Mais c'est pas le métier que je veux faire. Le métier que je veux faire, c'est être entrepreneur, fonder ma marque, vous apporter du bonheur, apporter de la joie dans ce monde. C'est ça que je veux faire moi, c'est ce qui me plairait. Donc il y a des jours où il faut juste serrer les dents et on fait ce qu'on a à faire. Il y a des hauts et des bas dans la vie, hein. C'est normal, quand vous êtes en bas, bah, vous allez remonter derrière. Il n'y a jamais personne qui est resté bloqué en bas. Vous allez tous remonter. Il suffit de croire en la vie. Si vous voulez quelque chose, de toute façon, sachez que vous l'aurez. Ça, c'est clair et net. Et secondo, comme vous l'avez vu, les beaux jours reviennent à Barcelone, donc ça va être assez cool au niveau du contenu, je pourrais refilmer dehors. Le seul problème, c'est que j'aimerais bien vous faire toutes ces scènes où je suis en intérieur, mais dehors. Mais le problème, c'est que j'ai pas de micro sur ma caméra, et comme vous l'avez vu, quand je reste trop longtemps dehors, avec toutes les voitures, c'est assez chiant pour le son. Mais je vais trouver une solution, et on va s'améliorer de jour en jour, hein. Comme vous l'avez vu, on est à l'épisode
27 je crois, on est à l'épisode 27. Ça fait 27 jours que je vlog et quand tu vois la différence avec l'épisode 1, qui ressemblait à ça. Bonjour tout le monde, c'est Billy. On reprend maintenant sur ce tout premier vlog de la grande série qui s'annonce. Je vous avoue que... Oui, je viens de phaser pendant 5 secondes juste pour te mettre cette édite de vidéo et j'en suis très très fier. Quand tu vois la différence avec les épisodes du début, moi je suis fier, j'attends vraiment l'épisode 100, ça je te le dis direct. Enfin bref, oui comme tu l'as vu, juste avant j'étais sur une place avec des skaters. C'est une place sur laquelle je passe tout le temps pour aller à la salle et pour revenir, comme ça. Et alors j'ai jamais fait de skate de ma vie, hein. Comme t'as vu dans un vlog avant, j'ai essayé de faire du longboard. Mais voilà, je sais pas faire ça moi, j'ai perdu du snowboard, du wakeboard. Mais alors des trucs quand je suis pas attaché à la planche, ça je suis mort. C'est une place sur laquelle je passe tout le temps. Et alors j'ai jamais été skater ou quoi, hein. C'est pas un sport qui m'intéresse particulièrement. Mais je trouve ça ouf, c'est comme dans tout, hein. C'est comme dans la vie, c'est comme dans n'importe quoi. Les mecs ils y arrivent pas, ils vont pas arrêter. Ils vont pas se dire ouais j'ai pas réussi à passer mon trick, j'arrête. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, gros. C'est, t'y arrives pas, tu remontes sur ta planche et tu réessayes. C'est pareil pour la vie, c'est t'arrêtes pas quand tu foires. Quand tu foires, tu te relèves et tu recommences. C'est comme tout, quand t'as appris à marcher, t'es pas resté à quatre pattes, tu t'es relevé et tu vas remarcher. La vie, c'est pareil, quand tu foires quelque chose, tu te relèves et tu recommences. Et tu restes pas par terre en disant oh, c'est pas pour moi, de toute façon j'y arrive. Non. Y'a personne qui se relève pas sur ma chaîne, ok? Sache que je te vois. Tu crois que je ne te vois pas, mais je te vois. D'accord? Donc si j'apprends un jour que t'as raté quelque chose et que t'as pas essayé de réussir derrière, ça va barder, mon petit gars. Tu m'entends? Ça va barder. Moi, j'ai le pif, hein. Moi, j'ai le pif pour ça. Comme tu vois, mon nez, il est assez gros. J'ai le pif pour ce genre de choses. Tout le monde va foirer quelque chose. Y'a personne qui a réussi sa vie et qui a jamais foiré. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. T'as jamais pas raté quelque chose. Ou alors... Tu viens de naître. Un gagnant, c'est juste un perdant qui s'est relevé une fois de plus. Ça, c'est une phrase que je me répète tout le temps. À chaque fois que t'as envie d'abandonner, baisse pas les bras, relève-toi. C'est-à-dire que tu peux pas réussir dans la vie en baissant les bras. Et c'est pour ça, le truc du skate, à chaque fois que je passe devant, ça me met une baffe, entre guillemets. C'est que les mecs, je les vois s'éclater la gueule tout le temps. Et à chaque fois, ils remontent dessus, hein. Ils vont pas arrêter. Ils vont pas arrêter le skate parce qu'ils viennent de s'éclater la gueule. Et c'est ça que je veux dire. C'est même moi à la salle, je me suis blessé un nombre de fois incalculable parce que je faisais mal les mouvements, parce que je prenais trop lourd. Ça m'est arrivé, je suis comme tout le monde, hein, je suis pas un surhomme. Et voilà, c'est pas pour autant que j'ai arrêté, c'est pas pour autant que je continue pas d'essayer. Je tente des nouveaux mouvements à chaque fois. Je sais pas, j'essaye des nouveaux exos. Il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est la vie. Donc quand tu rates quelque chose, c'est normal, tu vas tomber. Je te le dis, je suis désolé de te le dire aussi crûment. Mais tu vas te casser la gueule, te relève-toi, c'est tout, t'as juste à te relever. Tu te relèves une fois, tu réessayes. Si tu retombes, relève-toi, réessaye. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Je te le dis pas parce que j'ai la science infuse. Je te le dis parce que c'est la vie, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, c'était tout, c'était le petit message que j'avais à vous transmettre. Voilà, je sais qu'il y a des moments où t'as envie de baisser les bras. Je sais qu'il y a des moments où la vie c'est un peu plus dur. Je sais qu'il y a des moments où t'as pas envie. Mais c'est comme ça. Tu serres les dents à bon coup, tu te relèves et tu fonces et tu recommences. C'est là que tu vas kiffer en fait. C'est là que tu vas te rendre compte que la vie elle est belle, la vie elle est géniale. Tu peux faire ce que tu veux. C'est normal de te casser la gueule, c'est normal d'échouer. Un exemple tout con, hein, c'est moi je me suis pris des tollées monumentales dans mes études. J'ai fait des études après le bac, mais je suis pas fait pour ça. C'est pas ce que je veux. Moi ce que je veux c'est toutes les mains dans le cambouis et monter mon truc. Et il y a des fois où ça rate, il y a des fois où ça réussit. C'est comme ça, c'est la vie. Du coup, voilà, c'était le petit message du Billy. J'aime beaucoup les bananes et les pommes. Voilà, tu peux prendre le temps de mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo. Tu peux même prendre le temps de mettre un pouce vers le bas. J'adorerais ça, car ça veut dire que des gens prennent le temps de ne pas m'aimer. Et je trouve ça quand même assez incroyable. Donc sur ce, c'était juste pour vous faire passer ce petit message. Voilà, de croire en vous, de pas baisser les bras. Moi je vous dis à demain et je vous fais plein de bisous.